On est venu exprès de Seattle, vous pouvez rien faire. On est un restaurant étoilé ici, monsieur. Nos tables sont réservées 6 mois à l'avance. Monsieur Ridley, très bonne surprise. Le maître d'hôtel va vous installer. Marcel, une table pour monsieur Ridley. Merci beaucoup. Bon appétit. C'est quoi ça? Il vient d'arriver sur réservation? Quand vous serez critique gastronomique pour le New York Times, vous pourrez aussi. Voilà, monsieur. Ça, c'est moi, Sonny Jones. Je fais le taf de mes rêves dans l'un des meilleurs restos de la Nouvelle-Orléans. Et je vais vous raconter un truc de malade. Un truc qui m'est vraiment arrivé. Chef, j'ai un très léger souci. Je suis occupé, ça se voit pas? Bernard Ridley vient d'être installé, table 67. Ok, ouvrez grand vos oreilles, messieurs, dames. Faut être au taquet ce soir, figé? On a le New York Times qui vient nous rendre visite. C'est pas le moment de me faire honte, c'est clair? Oui, chef. J'ai besoin de la béchamel, illico. Oui, tout de suite. Et mes huîtres, où elles sont? Elles auraient dû être prêtes à partir il y a 30 secondes déjà. J'en ai fait du chemin, depuis le temps où je récurais les bacs d'huile au resto de poulet frit de mes darons à Atlanta. Mais il y a un truc qui a pas changé, mon amour pour la bonne bouffe. Ouais, ça c'est d'enfer, j'adore. Allez, on se bouge! Soirée de malade! Tu pars tout de suite après? Ouais, chef, je vous dis au revoir et je pars. Je vais rouler de nuit en écoutant du bon son à fond la caisse. Mon père disait qu'il n'y a pas mieux dans la vie... Il n'y a pas mieux dans la vie qu'un bon moteur sous le pied et de la musique dans les oreilles. Ouais, c'est ça. T'as fait du beau boulot ce soir. Grâce à toi, on va avoir un bon article dans le Times. Ah ouais, chef, enfin, j'ai fait que réaliser votre vision. Ouais, ben, je crois qu'il est plus que temps que tu réalises la tienne. On va ouvrir un Bentley à Los Angeles. Non. À LA? Et je veux que tu sois le cuisinier en chef. Vous? Qui? Moi? Oui. Non, à LA? Sérieux? Mais carrément, je signe direct. Merde, c'est trop excellent! Tant mieux. Allez, va-t'en, va profiter de ta famille. Parce que quand tu reviens, t'auras même plus le temps de pisser. Ah ben, ça tombe bien, ça. Parce que de toute façon, je pisse déjà plus tellement je transpire. Et vous, allez pas vous noyer dans l'alcool avant d'avoir signé mon nouveau contrat, hein? La ferme, Sonny, et bon voyage! Alors gros, tu vas filer un sachet, oui ou merde? De un, faut que t'apprennes la patience. Et ta sœur, où elle est? Ouais, elle m'a dit que toi et une autre meuf, vous aviez essayé de lui voler sa carte bleue et de vous barrer n'importe avec. N'importe quoi, moi et une autre meuf? Ouais, elle m'a dit que je devrais pas dealer avec toi. Elle sort encore ces putains de... Non, du con! Non, non, non! Je veux... C'est un sachet double. Ça vaut plus que 10 boules. Tu sais pas compter, toi, t'es trop con. Tu ferais mieux de retourner à l'école. Mais on est dimanche. Bah va quand même à l'école, parce que t'es tellement à la ramasse que rien que d'être sur place, ça te ferait gonfler les neurones. Et ta sœur avec? C'est bon, va te faire foutre. Non, toi va te faire foutre. Connard de merde. Hé hey, tu peux la voir si tu parles de moi à ta sœur. Attends! Mate un peu ce crétin de Dutch. C'est le plus mauvais dealer de drogue que je connaisse. Mate le, t'as vu? Comment il fait pour écouler toute sa dope sans jamais gagner de blé? Ouais, sauf qu'au moins lui, il a un job. Je suis un braqueur, c'est ça mon job. Qu'est-ce que t'as à répondre? C'est pas un job si t'es pas payé pour le faire. Merde, je me paye tout seul, moi je suis un braqueur. T'es surtout un bras cassé, c'est carrément, ça. T'es. Carrément, y a rien c'est à en tirer de toi. Cassé, mais... Et il se l'est cassé à la force du poignet, si tu vois ce que je veux dire. De quoi tu parles? T'as le poignet musclé, c'est ça qu'il dit. Il dit que tu uses tout du tes chaussettes. Foutez-vous de ma gueule, moi j'ai chouré un pas de handicapé. Je peux me garer où j'ai envie, moi.
c'est à qui cette caisse? Oh, le petit gars de la ville débarque. Sacré bagnole, hein. Le plus blanc de tous les noirs du quartier, Sonny. Il est de retour. Tu t'es fait dégager de Top Chef, mon pote? C'est clair. Il a pas choisi la bonne caisse, ça. J'étais pas rentré depuis presque un an. J'arrivais pas à croire que le resto ait dégénéré à ce point. Mon grand-père devait se retourner dans sa tombe en voyant ça. Si tu veux de la beuh, c'est ouvert. Eh, hey, je suis là. Même pas le courage de me faire les ongles. En fait, je viens de les refaire. Alors, je voudrais commander du poulet. Je t'ai dit qu'on en avait plus, t'es sourd de l'oreille. Comment un resto de poulet a plus de poulet? Parce que tout le monde en veut. Y a rien à grailler? Y a rien à grailler. Si tu veux du poulet, t'as qu'à rouler ton gros cul siliconé chez JJ. Ouais, je vais faire ça, leur poulet est meilleur de toute façon, ah, connasse. Hey, si Mabel, tu le dis. J'ai du bon blanc pour toi, mais faudrait que t'écartes les cuisses d'abord. Ah ouais, tu crois? Ah, tes conneries. Bien envoyé, oncle Gus, tu l'as calmé. Faut que t'écartes les cuisses d'abord. Porcha! Attends, je vais aller lui rendre hommage. Porcha, comment ça va, ma belle? Pourquoi? Tu viens à notre concert? Je veux pas venir à votre concert, arrête de demander. Quoi? Tu viens pas à notre concert? Non, on dirait un mauvais boys band. Comment ça, un mauvais boys band? Tu vas le regretter, sérieux. Tu vas vouloir me tâter le paquet quand je serai riche. Tu vas vouloir me tâter le paquet quand je serai riche. Tu crois que je fais quoi, là? Pas ton job. Où est Mama Jay? Tu me parles autrement, ok? Où est Mama Jay? Qui? Où est le manager? Ok, attends, je t'écoute pas. Bébé! Pourquoi tu gueules comme un âne? Hé, hey, Sonny! Comment ça va, bébé? C'est mais mon quoi, petit frère. Qu'est-ce qu'il en est parlé? Tu te souviens? C'est mon frangin, c'est lui. Quoi, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tu vois mais pas qu'est-ce que ça fait du restaurant de maman? T'as fait quoi, putain? C'est qui cette traînée qui tient la caisse? Tu peux pas faire c'est... ça. Oh, je l'ai trouvé sur Internet. Quoi? C'est la fille d'Algerton. Tu sais? Écoute-moi, là, ça va pas. C'est qui que tu traites de traînée, là? Tu peux fermer ta grande gueule? C'est comme ça que ta mère t'a appris à parler aux filles, hein? Eh oh! C'est un restaurant familial ici, je te ferai dire. C'est mon mec. Arrête de traiter comme une poule, là, c'est bon. C'est mon mec, t'es dans son resto. Y'a pas moyen de se détendre. On se détend, tu vas bien, d'accord? Oui. Au moins, elle t'a pas poignardé. T'as du bol parce qu'elle en est capable, je te préviens. Mais où elle est, maman? Je t'écoute. Et on va pas faire ça devant les clients, tu veux? Ouais, on va c'est aller ça, dehors. On va pas faire ça devant les clients. Mieux dehors. Maman est tombée malade et j'ai pris la relève. T'as tout foutu en l'air. Mais t'as qu'à le faire, toi, si tu veux. Plutôt ouais, qu'aller trimer pour faire. Les plans. Toi, t'as tout foiré. T'es plus haut que ton cul. Je peux pas t'aider, j'ai déjà un boulot. Facile, démissionne. Je vais pas lâcher mon job. Je viens d'avoir une promotion. Je dois tenir un restaurant à Los Angeles. Ouais, la Nouvelle-Orléans, c'était pas assez loin pour toi, hein? Non, attends, commence pas avec ça, Dutch, tu veux? J'appelle maman toutes les semaines et elle m'a jamais dit qu'elle était malade. Tu sais comment elle est, hein? Tu la connais. Elle avouera jamais à personne qu'il y a un truc qui va pas. Par contre, elle s'inquiète pour ton petit cul à toi. Tu vois? Je vais aller la voir. C'est ça, le bourgeois. Va la voir pendant que moi, je bosse. J'ai pas que ah, ça ouais, à vraiment. Foutre. Ouais, j'ai tout plein de trucs ah, à vraiment. Faire. Commence par le resto, tiens. Commence ouais, par le resto. C'est ça. Y a tout parce à voir. Parce qu'il y a toi qui fuis. Hein? Faut que j'aille sur le toit réparer une fuite. Y a pas que le toit qui fuit. C'est à moi y a de tout faire. Qu'est-ce qui fuit je aussi. Je me tape la plomberie et tout le bordel. Main sur le volant. Elles sont déjà sur le volant, monsieur l'agent. Je t'avais dit que c'était lui. Hmm? J'ai reconnu ta grosse tête à des kilomètres, Sonny. Ça te fait marrer, ces conneries. Vous pouvez pas arrêter des gens comme ça sans raison. Vous m'avez foutu la trouille alors que j'ai rien fait de mal. C'était son idée de te demander de t'arrêter, pas la mienne. Ah ouais, super. Monsieur Muscle Powers, comment va mon chevalier blanc préféré? C'est agent Powers maintenant. Mmh. J'ai failli pas te reconnaître sans ton uniforme. Il est où ton tablier? Enfin bref, t'as pas beaucoup changé depuis la fin du lycée. T'es toujours aussi canon. Tu mènes toujours la grande vie chez nos amis les Cajuns? Ouais, je me débrouille. Ah, ce bon vieux Sonny. Ouais, j'espère que c'est une bonne chose. T'es dans le coin pour longtemps? Seulement quelques jours. Seulement quelques jours. Et... Je pourrais t'appeler si tu me donnais ton nouveau numéro. Non. T'as déjà mon numéro. Non, je l'ai pas. Celui de police secours. Aïe. Allez, tu peux circuler, Sonny. Mm-hmm.
Évite les embrouilles, grosse tête. Elle nous passe les menottes quand elle veut, avec plaisir. Tu fous quoi ici, Dutch ? Oh, c'est toi ? J'ai cru que c'était une éclipse. En fait, il se trouve que c'est ton grand patron en personne qui m'a convoqué. Sors ton gros cul de cette bagnole. Oh, je te croyais en prison. Ouais, c'est ça qui est bon, ouais. C'était bien envoyé, quelle droite! Ouais. J'ai une droite, moi aussi, Capé. On est bon? Et merde, qu'est-ce que... Ah! Bordel de merde! Oh putain! Sacre! Maintenant, on est bon. Je vois pas en quoi c'est bon! Attends, c'est toi le suivant. Allez, viens. Non, merci. Non. Ça va aller, merci. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Désolé, je peux pas venir me battre. Mon genou est pété. Je crois que j'ai une angine en plus. Je devrais... Oh, mais il me devait du blé. Heureusement qu'il m'a donné un coup. Hein? Je voudrais pas tuer un mec pour de l'argent, ça non, ce serait dingue. Et ça te dit pas de récupérer son stock? Ça me rend très nerveux. Très, très nerveux. Dutch. Quoi? Ça fait des années que tu me demandes de te laisser une chance. Et j'ai une ouverture. Tu vas pas en profiter. Hein? Dutch, tu peux entrer dans la cour des grands. Ou rester sous le préau. Je vais rester sous le préau, merci. Je suis un mec du préau, moi. T'as pas compris, je crois. Hein, Tini, il a pas compris. Écoute. Soit tu prends son stock. Soit tu prends une balle. Comme lui, d'accord? Et voilà. Je veux plus jamais te revoir. Compris? Capé. J'ai vu que dalle. Ouais, je sais. Maman! Maman? Maman? Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Me dis pas que tu sors habillé comme ça dans la rue. Tu traites ta mère de pute. M'oblige pas à enlever cette ceinture. D'après ce que j'ai vu là-haut, t'en as déjà beaucoup trop enlevé, ouais. Pourquoi t'as pas appelé avant pour me dire que tu venais me voir? Je voulais te faire la surprise. Je te fais un iced tea. Tu sais bien que oui, t'as pas besoin de demander. Et sinon, maman, je suis passé par le restaurant. C'est devenu une ruine. Tu connais Dutch? Il lui faut du temps pour comprendre comment ça marche. Il a trop de temps à perdre, au contraire. Ça fait seulement 3 mois et le resto ressemble déjà à un squat. Oh, Sonny, c'est pas si mal. Tu te rends compte qu'ils ont même plus de poulet? C'est tout Dutch, ça. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Ça fait sûrement partie du problème. Est-ce que Dutch t'a dit que j'étais souffrante? Ouais,
Ouais, il l'a dit. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi, à toi, tu m'as rien dit avant. C'est vrai que des fois, j'ai des vertiges, mais je prends une aspirine et ça passe. Je fais bien, je t'assure, t'as aucune raison de t'inquiéter. Même si c'est pas grand-chose, je veux que tu m'en parles, parce que je tiens à toi. Et toi, t'es devenu chef de ton restaurant, ça y est? Je m'en rends compte quand t'essaies de changer de sujet, tu sais non, ça je... D'accord. Mais puisque tu en parles, il se trouve justement qu'ils vont ouvrir un nouveau restaurant et qu'ils ont demandé à ton garçon d'en être le cuisinier en chef. Oh, Sonny, ça c'est une merveilleuse nouvelle. Oh, ton grand-père aurait été tellement fier de toi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je m'inquiète pour toi, surtout. Je te l'ai déjà dit, mon grand, je vais bien, très bien. Si j'allais pas bien, tu crois que je serais capable de faire ça? Faire quoi? Qu'est-ce que... Viens voir, je vais te montrer. Ça ira plus vite que de te le dire. Oh, Sonny, je suis si contente que tu sois à la maison. Ah, je suis contente d'être là aussi. En plus, Dutch aurait bien besoin d'un coup de main. Ah. Tu devrais aller lui parler. Passer un moment agréable. Pourquoi il a fallu pas ton bébé. De lui. Sonny, c'est ton grand frère quand même. Bonjour, Miss Johnson. Bonjour, Miss Johnson. Eh, regardez, c'est Sonny. Salut, Sonny. Bonjour, Miss Johnson. Vous êtes très en forme aujourd'hui. Prends-moi mon ballon, c'est pas à toi. T'es encore plus teubé que ce que je croyais. On va faire un truc. Si t'arrives à marquer un panier depuis le Porsche, je te refile le restaurant de poulet. Tu serais prêt à parier le restaurant de la famille? Tu vois, maman, j'arrête pas de le dire, il lui manque une case. Et toi, tu me balances, c'est pas bien, maman, c'est une putain de balance. Je vous l'ai déjà dit, pas de gros mots ici. Lance-moi ce ballon. Quoi? Attends, mais t'es avec qui, toi? Lance le ballon et arrête de te comporter comme un canard qui trouve la vie vraiment trop injuste. Lance le ballon. Je viens d'arriver, j'en ai déjà marre de toi. Serre les fesses, parce que tu vas prendre cher. Tu joues jamais, c'est la chance du débutant. Ah. Dégage et laisse faire les pros. Y'a faute là, y'a faute. Non, y'a pas faute. Je vais te faire un retourné boulet, tu vas voir. Arrête tes conneries, tu joues n'importe comment. Tu connais même pas les règles. Regarde. Tu fais les bruitages avec. Tu te prends pour le prof de Bel Air ou quoi? Maman, non, c'est mon ballon. Il a fait une faute. Tu joues bien ou tu joues pas? Maman. Maman. Quoi? C'est maman. Merde. Maman, ça va? Maman. Maman. Miss Johnson, appelez une ambulance. Réveille-toi, maman. Oh, j'ai eu le tournis tout à coup et je me suis évanouie, c'est bizarre. Maman, t'as sûrement chopé la chaude pisse. Ils vont te donner de la pénicilline et après ça va guérir tout seul. Quoi? Comme ça l'a fait pour moi. Sérieusement, tu ferais mieux de t'appliquer. C'est sûrement ce mec-là, monsieur Green, qui t'a chauffé en boîte l'autre fois. Tu réfléchis jamais, toi, avant de parler. Je t'avais dit de rien dire à ce mec. Je suis sûr que c'est lui qui lui a enfilé cette cochonnerie. J'ai sorti qu'une seule fois avec ce type. Une fois par semaine, au moins. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, mais écoutez, vous arrêtez de vous chamailler parce que le docteur va arriver. C'est pour te rassurer que je disais ça, pas du tout. Ça suffit, j'ai dit maintenant, fermez-la. T'as vu, tu lui fais dire des gros mots. Je suis désolée, mais arrêtez. Tu ferais mieux de la boucler. Ah, docteur, qu'est-ce que ça donne? Vous permettez que je parle avec votre mère en privé? Oui. Non, ils peuvent rester. Madame Jones, on a reçu les résultats de votre biopsie et nous vous avons détecté un carcinome canalaire. C'est une forme de cancer du sein. Oh non! Oh, merde! Non! Elle va crever! Mais non, elle va pas crever! Tu peux pas... Ressaisis-toi, bordel! Tous les deux, vous allez la fermer et laisser la docteure causer! C'est pas grave. C'est une nouvelle qui peut être difficile à entendre. Mais votre pronostic est favorable. Alors là, c'est... Tu vois, elle dit que le pronostic est favorable. On va vous garder ici quelques jours pour faire d'autres analyses. On va s'en occuper. Si c'est seulement quelques jours, ça va.
Bien, si vous avez la moindre question, vous pouvez me téléphoner. Pourquoi j'ai pas le droit de lui téléphoner, moi? Je veux pouvoir l'appeler aussi. C'est pas juste si j'ai des questions, parce que j'étais plus près d'elle. Vous voulez la carte? Non, pas besoin, je vais pas m'en servir. Mais vous êtes mignon. Désolé, vraiment, désolé, docteur. Je peux vous appeler pour autre chose? Tu lui fais perdre son temps, arrête. Qu'est-ce que vous êtes bonne. Mais maman, ça va aller. En quel état tu l'as mis? Maman. J'ai tellement peur que ce soit un cancer du poumon au lieu du sein. On peut toujours se faire faire de faux nichons, mais on peut pas avoir de faux poumons. T'en fais pas, ça va aller. Je te promets que tu vas t'en sortir. Je sais, celui... Je vais tuer le salopard qui t'a refilé ça. Ça suffit, toi. Dégage de ma chambre, Dutch. Dors, allez, dégage. Je reviens tout de suite, j'ai un truc à... Je reviens. Pourquoi t'es allé lui raconter mes histoires de cul? Grouille-toi d'aller me réparer ce bazar. Quel bazar. Hé, hey, frangin, je voulais te dire, j'étais dans la chambre et je me suis rappelé un truc. Tu te souviens de la fois où t'as pris une serviette complètement mitée, tu l'as attachée autour de ton cou comme si c'était une cape, t'as carrément sauté du toit et tu t'es pété une guibole. Tu chialais à mort, avec de la morve et tout, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très bien, mais c'est toi qui as sauté. C'est quoi? C'est ça qui s'est passé. Non, c'est moi qui... Je suis pratiquement, ouais, pratiquement sûr que c'était toi. C'est pour ça que j'ai le genou cassé. Ouais. J'oublie des fois. C'est à cause... Je pense que je fume trop d'herbe, ok, ouais, ouais. Mais ce que j'essayais de te dire, c'est qu'on a traversé des choses. Aujourd'hui, maman traverse une épreuve difficile. Et comme je te le dis depuis qu'on est gamin, ça va aller. On va s'en sortir. Non, c'est toi qui me disais ça, je crois. Ouais. Ouais. Bon, t'arrêtais pas de me dire qu'on allait s'en sortir. Ouais. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je trouve ça super chouette que tu viennes me voir ici pour essayer de me dire quelque chose que je t'avais déjà dit avant. Ça. Vraiment, c'est vraiment du génie. Sauf que je le savais déjà, en fin de compte. Je sais qu'on va s'en sortir, frangin. Je le savais à l'époque et je le sais aujourd'hui. T'es sûr? Si t'es venu pour me consoler avec mes propres mots, tu ferais mieux d'aller voir maman. C'est elle qui a... Je crois que je ferais mieux d'aller voir maman. Ouais, c'est une très bonne idée. T'es vraiment trop con. Oui, allô, chef? Comment ça va? Oui, c'est Sony. Non, je sais pas trop. Je sais pas quand je vais pouvoir y aller. C'est ma mère, elle a des soucis de santé et pour ça, je... malheureusement, elle va devoir... Ouais, je vous tiens au courant. Ouais, au revoir. Est-ce que tu me fais rire? On était à sec. On n'avait plus de poulet. On n'avait rien du tout. Il n'y avait rien à vendre. Que dalle. On a ouvert quand même. Trop nul. Tu fais tellement rire que j'en ai mal au ventre. Vous en faites du boucan. On vous entend depuis l'ascenseur. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ton frère, il était en train de me raconter que Denzel Washington avait pris du gras pour Fences. Et je lui ai répondu que je m'en moque s'il fait plus de 100 kilos. Il peut toujours venir me voir. Ah, mais arrête, je suis en train de t'imaginer avec lui. J'ai eu ma dose d'image de ma mère en train de faire des trucs pas nets. Il serait peut-être temps de... Il est temps de faire quoi? Tu vois? Et ce rideau et de ranger tes strings. Je lui ai dit la même chose. Oh, bon sang. Enfin, bref. Devinez quoi? Je viens d'avoir mon patron pour le nouveau resto à LA et il m'a dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi tout de suite. Quoi? Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas encore complètement fini d'installer tout ce qu'il faut. Alors ça me laisse un peu de temps pour rester ici et prendre soin de ma mère. Et aider l'idiot du village à diriger le restaurant. En voilà une qu'elle est bonne. Les frères Jones réunis pour le meilleur et pour le pire. Seulement pour quelques temps. J'ai un peu déformé la vérité. Le chef Bentley était pas ravi que je prenne plus de jours que prévu. Mais il y avait pas moyen que je laisse ma mère et ce resto dans l'état où ils étaient. Surtout avec mon abruti de frangin dans les parages. Ok, écoutez. Écoutez! À partir de maintenant, les choses vont changer. Vont changer! Avant, le Blazing Jay's, c'était le plus respecté des restaurants de poulet de toute la ville. Dans toute cette putain de ville! Ça va, merci, merci, Gus. Mais j'ai pas besoin que tu chauffes la salle pour moi, ok? D'accord? Je te remercie pour ton service. Repos, soldat.
Alors, si on veut avoir une chance de redevenir le plus respecté des restaurants de poulet de la ville, il faut avoir du respect dans les cuisines. Excuse-moi, Sonny. Et autre chose. Aucun d'entre vous ne s'adresse à moi en disant Sonny ou Monsieur Sonny. Je vais aller plus loin que ça. En fait, vous ne vous adressez pas à moi du tout. Vous attendez que je m'adresse à vous et une fois que je l'ai fait, vous répondez avec oui, chef. C'est bien compris ? On dirait bien que non. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ça ? Oh, c'est juste le blé que j'ai emprunté dans la caisse. Je te donne le reste la semaine prochaine quand on sera payé. T'es viré ? Non, tu vas vraiment la virer pour ça ? À ton avis ? C'est pas cool. Bye, meuf. Ouais, je suis très contente que Sonny soit revenu pour reprendre le restaurant en main. Oh oui, j'imagine. Dutch fait du mieux qu'il peut, c'est vrai. Mais il peut pas grand-chose. Il a des troubles de l'attention depuis qu'il est tout petit. Il était sous médicaments, mais vous savez ce que c'est. Il a arrêté de les prendre et maintenant... Oh, mais avec Sonny, je me sens beaucoup plus rassurée. Il sait tout faire, je sais qu'il va gérer. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je sais gérer des trucs. Je suis contente qu'il soit revenu. Ça, c'est sûr. Alors comme ça, Jocelyne a quitté la chorale de la paroisse. Oui. Oh, alléluia, il était temps. Ouais, Capé, ça gaffe. Ouais, ça roule. Alors comme ça, tu veux que je t'écoute tes stocks à la con, t'as parié sur le bon cheval, Capé. Mais je vais te dire un truc. Même si tu me demandes d'écouler tes stocks, en vrai, c'est toi qui bosses pour moi, grand-merde. Non, si je lui dis ça, il va me coller une bastos. Maradala à l'hosto, elle est malade. Capé, Maradala à l'hosto. J'ai besoin de... Non, il va penser que je raconte des craques. Yo, Alfred, tu bosses plus pour Bruce Wayne? On ne me l'avait jamais faite. Que puis-je pour vous? Ouais, où est Capé? Qui donc? Capé! Oh, le jeune maître Phillips. Suivez-moi, je vous prie. Capé, t'es un bolos ou quoi? Ouais, c'est la méga Duff ici. Wouhou! Je suis la Dutch et dans la place. Ah, salut les filles, moi c'est Casanova. Je drague tout ce qu'il y a des. J'en peux plus, je suis au taquet depuis que je t'ai vu. La situation est grave, Kyle. Je ne sais plus comment blanchir ton argent. Soit tu trouves un business assez gros pour y écouler tes revenus, soit tu ralentis. Ralentir? On ne peut pas ralentir dans ce métier. J'ai dit que j'allais trouver. Alors, contente-toi de faire ton travail. Ah, monsieur le maire. Bonjour. Content de vous voir. Moi aussi, Kyle. C'est quoi ce truc? Oh putain. Oh, c'est du carton. J'étais en train de dire au maire qu'on devait se retrouver sur le green bientôt. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je suis prêt à augmenter votre handicap de quelques coups. Oh. Il faut que ce soit équitable, non? Bien sûr. Wow, de la fondue! C'est vachement coulant, ce truc, j'adore! C'est quoi ton fromage, en fait? Veuillez m'excuser. C'est mortel. Quand on était membre, ma mère avait vu que c'était moins cher d'acheter la meule complète. Fallait prendre un gros couteau et y aller à fond pour le... T'es blanche, tu peux pas comprendre. Allez, on va se le faire. Miss Johnson, qu'est-ce que vous venez foutre ici, vous? Viens avec nous. Non, attendez, quoi? Non, mais les gars... On peut savoir ce que tu viens foutre ici sans avoir été invité. Je viens par rapport à ton offre. Tu te rappelles? Tu m'as proposé d'entrer dans la cour des grands et je suis prêt à sortir du préau, moi. Si la connerie était un sport, tu gagnerais toutes les médailles. Si j'avais su qu'il fallait s'habiller en James Bond, je serais pas venu. Soit ça, soit t'es complètement cinglé. Tu sais que mon père est ici. Ton père? Le maire est ici et le chef de la police, bordel. Le maire? Je t'avais dit que je voulais plus te voir. Je lui avais pas dit que je voulais plus le revoir. J'en suis sûr. Je t'ai dit que je voulais plus jamais te revoir. Je devrais le buter. Ouais, c'est ça, je devrais te buter direct. Tu veux me tuer? Je croyais qu'on était cool. Me tue pas. Et si tu fermais ta grande gueule? Alors, comme ça, tu crois que tu peux entrer dans le club? Je peux en placer une, là? Pourquoi t'as changé d'avis? Parce que j'ai eu la crève.
Et là, le docteur, il m'a refilé des cachetons super dégueulasses. Il y avait des trucs verts qui dégoulinaient de mon pif. J'avais la tête qui éclatait. Je voulais seulement dormir. M'étendre sur l'asphalte. Stone. J'étais complètement stone. Tu vas pouvoir écouler 1 kilo par semaine? Seulement? Mais ouais, pff, et 1 kilo par semaine. Tu parles, c'est rien du tout. Attends, la beuh, elle est déjà vendue. J'ai des résas dans tous les sens. J'ai qu'à y aller, la distribuer, ramasser le cash. Y a plein de... Y a mes tantes, leurs copines, leurs collègues de boulot. Elles veulent tout en prendre. Y a plein de monde. Y a plein de monde à l'église. Je vends au pasteur et à tout le monde, je te dis. D'accord, tout le monde, alors prends-en 2. Voire même, pourquoi pas carrément 3. Là, ça fait un peu beaucoup. 3 peut-être pas, mais 2 si tu permets, c'est cool. C'est cool. Je vais commencer avec 2 kilos. D'accord. D'accord. Tini va t'arranger ça. Tini? Qu'il sorte par derrière et que personne le voit. Tu peux me croire. Je vais pas te baiser. Me baiser? Ouais. Tu crois sérieusement que je vais laisser quelqu'un comme toi être en position de me baiser? Non, 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 non. Tu viens d'entrer dans un monde extrêmement dangereux, mon ami. Te baisse pas toi-même. J'avais dit quoi pour le téléphone? T'es viré! Hey, d'où je suis viré? Je dois appeler Fedra, parce qu'on va te coller un procès au cul. Je suis la meilleure employée de ce trou. Tu peux pas te la payer. Ouais, je vais me payer ta tête. C'est bon, dégage. Je veux la baston. T'as même pas de musique dans ton resto. Tu bosses même pas ici, toi. Et alors? Non, laisse tomber. Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Ah, tu mets pas en travers de la route, toi. Oh, qu'est-ce que tu fous? Arrête, 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 doucement. Tu m'as poussé. Tu peux tranquillement me pousser comme ça. C'est ta gueule. Eh merde, y'a bagarre, y'a bagarre! Ouh, y'a bagarre! Sans déconner. J'adore les restos, c'est trop bordel! Arrête! Je te plante! Putain! Ni le lieu, ni l'endroit pour tes conneries! Viens là! Attention! Leurs conneries vont faire fuir la clientèle. J'essaie de faire tourner un business, moi, ici. Un business? Qu'est-ce que business? Tu racontes? Tu rigoles? Bagarre ou pas, tu gagnes jamais de blé, de toute façon. Oh, voilà les coffres. J'ai vu des bagarres plus grosses que ça pendant des réunions de famille, alors j'étais surpris que les flics débarquent. Mais Dutch aussi. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues incroyables. J'y aurais pas cru si je l'avais pas vu moi-même. Oh, ça craint. Ça suffit, ça suffit. Les mains derrière la tête, là. Capé va me décapiter. N'importe quoi, j'ai rien fait du tout! Retire tes sales bastards! Je vais t'éclater la tête! Ils ont arrêté ma poule! Lâche-moi! Hé, gros con, tu m'as payé la caution d'afficher! Tu m'as payé les poulets, sale poulet! On s'appelle quand tu sors de tôle! Direct en tôle, sans passer par la casse des pages! Heureusement que vous êtes arrivés. Elle faisait fuir les rares clients. Ouais, merci beaucoup de m'avoir aidé. Pas de quoi, aucun problème. Ouais, j'ai pas mal de boulot ici si je veux rattraper le coup. Ça, c'est sûr. Le bon côté, c'est que tu vas rester dans les parages un peu plus longtemps. Ouais, c'est ce qu'on dirait. Oui. On dirait. Uh-huh. On pourrait aller boire un verre? Oui, on pourrait. Avec joie. Et on ajoute quelques hot dog moutarde, des onion rings et des oranges glacées? Mmh. Comme au temps du lycée. Le bon vieux temps. Si j'ai de la chance, ça te dit? Ça t'irait de faire ça, c'est cool? Oui, j'adorerais. Quoi donc? Parler en privé. Rien du tout, on a une conversation personnelle, c'est tout. Ouais, bah faites pas attention à moi, je suis seulement en train de bosser. Tu veux te joindre à moi? Non, marche pas, faut le faire piquer. C'est bon, arrête. Il a l'air d'avoir le poil doux, mais ça excuse pas tout. C'est impossible. Appelle-moi, d'accord? D'accord, je t'appelle sans faute. Oui. Non. Arrête, sérieux, quel gamin. Ouais, je devrais pas le montrer à tout le monde. Ouh. Non, arrête, Sonny. T'es à l'œil, Sonny. On se téléphone, ok? Retourne au boulot, va bosser. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas fermé. C'est pas le moment de rester là à discuter sans rien faire. Nettoyez-moi ce bordel. Tout le monde, oui, toi aussi, reste pas là avec ton afro dégueu, là. Je te paye pas pour tes cheveux, hein. Sinon j'aurais pris un mec avec une brosse. On est là pour travailler. Faut remettre cet endroit sur pied si on veut rester ouvert. Toi, va frire du poulet. Eh, faut se reprendre, les gars. Allez. Bon sang. Dutch, sérieusement,
Cette fille, elle était pas à la hauteur. C'est une folle furieuse qui sait pas bosser correctement. On a besoin de bosseurs, je pouvais pas la garder. Je suis vraiment pas en état de parler de ça maintenant, ok, ma mène? C'est vraiment pas possible. C'est trop la merde. Bah, je te confirme que c'est la merde, parce que j'ai beau me démener comme un forçat pour remettre ce resto sur pied, ça devait être notre bijou de famille, mais ça donne rien. Alors que ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Je sais ce que je fais, alors laisse-moi diriger cet endroit et viens pas de toi. Encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à convaincre les clients que notre poulet, il est excellent, que le bouche à oreille fonctionne et qu'il déboule en masse. Mais oui, c'est toi qui as raison, en fait. C'est vrai, c'est clair. Exactement, j'ai raison. Alléluia. Ouais. Hé, hey, dis donc, je t'ai grillé. Notre nouvelle recette te plaît, on dirait, hein? On dirait que tu pourrais bouffer du poulet toute la journée. Ne regarde pas avec cette tête-là. Qu'est-ce que je fous là-haut? Comment ça? T'aurais pu dire à un des cuistots de réparer ça. Sont-ils propriétaires de l'établissement, monsieur? Allez, resserre-moi cette vis. Non, serre. Là, tu vois? Regarde. C'est la classe, hein? Je suis le meilleur. Je savais que tu y arriverais. Je vous veux concentré et attentif. Je veux du professionnalisme et de la perfection en cuisine et en salle. Les clients ne viennent ici que pour une seule chose. Et c'est pas pour votre beau sourire. C'est pour le poulet frit du Blazing Jays. Je veux que toutes les commandes soient servies le plus vite possible. Oui, chef! Je veux du poulet chaud et des frites croustillantes en quantité. Faut que ça tourne, je veux pas que les gens attendent. La situation commençait à s'améliorer. Le Blazing Jays avait la cote. On arrivait à peine à suivre les commandes. Maman était toujours à l'hôpital, mais le médecin disait qu'elle allait mieux. Et le fait que le restaurant tourne bien semblait lui redonner une pêche d'enfer. Même Sacha l'avait remarqué. Où sont les ailes? Les ailes? Où sont les ailes frites? Ça urge! C'est pas le moment de dormir! Si t'es pas capable de maintenir la cadence, mon frère va te virer! J'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tout ce temps pour revenir vers toi. Tu m'as manqué. Je suis là maintenant. Ne mange pas. Oh merde! C'est la merde! Fais chier! Je croyais que les affaires tournaient grâce à mes changements. Mais Dutch tapait dans les bénéfs pour refaire ses stocks d'ingrédients secrets. Et moi, j'y ai vu que du feu. Hey, Dutch! Quoi? Va falloir penser à racheter des patates bientôt, là. Ah oui, faut racheter des patates. Avance jusqu'au coin, vas-y, avance! Avance ta caisse, on va faire attendre les clients, putain! On peut aller au drive, ça ira plus vite. Ouais, va au drive plutôt! On a des ailes pour toi là-bas! Ok. Hé, hey, tu veux quoi, mon pote? On va surtout te faire. À demain, bonne soirée. Bye bye. Musique à fond, j'entends argent dans en or. Ok, ça veut pas dire pour autant que c'est des dealers. J'avais un appareil quand j'étais ado. Je me rappelle bien. T'as toujours été trop droit dans tes bottes. Je comprends pas. Pourquoi claquer son fric dans des bagnoles tunées et des bijoux? Oh, donc si c'était la reine Elisabeth qui passait dans la Rolls-Royce parée de bijoux de la couronne, tu dirais exactement la même chose? Ça a rien à voir. Non, là où je veux en venir, c'est que dès que j'aurai économisé assez d'argent, moi, au lieu de tout claquer, je vais lancer un business respectable. Oh, comme le Blazing Jays. Ouais. Comme ton copain au Blazing Jays. La haine est puissante en toi, jeune Padawan. Sacha. J'ai quelques courses à faire, mais... je me disais qu'on pourrait se retrouver pour boire un verre. Merci pour l'invite, mais j'ai déjà des plans. Encore une soirée lessive? Non. J'ai un rancard, si tu veux tout savoir. Un rancard, hein? Mm-hmm. Bonne nuit, partenaire.
Tu sais que ça s'appelle la palette et le verre ici. Oui. Mais t'essaies de me saouler avant que je peigne. T'as besoin de libérer ton imagination. Ferme. Je suis contente du résultat. Tu vois, moi, je... Tu vois, elle trouve ça joli. J'en doute pas une seconde. Arrête de te moquer. Plus qu'un avec le pinceau. Ressens le trait sur la toile. Chut. Quoi, qu'est-ce que... Tais-toi, il va t'entendre. Elle veut que tu ressentes le trait sur la et toile. On va ressentir le trait sur la toile. Chut. On dirait qu'elle, elle a pas touché un pinceau depuis un certain temps. Eh bien, ça fait deux comme ça. Non. T'es sérieuse? Oui. Quoi? Police et vie amoureuse ne sont pas vraiment compatibles, alors... Pourquoi ça? Je sais pas trop. Il y a les horaires décalés. Mmh. Et je crois que c'est parce que les garçons sont trop intimidés par mon travail. Ouais, les garçons. Mais je suis un homme. Et on peut pas dire non plus que sortir avec des collègues m'est vraiment réussi. J'en viendrais presque à plein de Powers. Te moque pas de lui. Quoi? Il cherche. Il est gentil. Envers qui? Je me suis souvent posé la question. T'as jamais envisagé de faire autre chose? Non, j'adore mon job. Et puis, tu connais ma famille. On est tous dans la police, c'est une sorte de tradition. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Même si mon travail n'est clairement pas aussi important que le tien, je sais ce que c'est que d'avoir la pression de toute la famille sur les épaules. Pour moi, c'était mon grand-père Johnny. C'était un joueur de blues, toujours en tournée. Et la légende raconte qu'il jouait tellement bien de la guitare, ses doigts glissaient si vite, qu'on l'a appelé Jay l'éclair, le Blazing Jay. Waouh. Ouais. Et quand il en a eu assez de la route, il s'est installé ici, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec le restaurant. Waouh. Pourquoi tu m'as jamais raconté ça avant? Peut-être parce que j'étais trop occupée à entrer et sortir en douce de chez toi sans tomber sur ton père. Non, mais je suis sérieuse là, c'est vrai, c'est trop cool. Ah mais moi aussi, je suis super sérieux, il avait un calibre 12. Oui, c'est vrai. Je voulais pas me faire tirer dessus. Il l'a encore aujourd'hui. Dis Sacha, et si on oubliait nos palettes et qu'on allait se servir un verre? D'accord. Salut. Avec tout ça, ma mère, elle a grandi dans ce restaurant. Et quand elle a été assez grande... Merci beaucoup. C'est elle qui a pris le relais. On dirait que c'est aussi le sort qui m'attend. Ça te fait pas sauter au plafond, on dirait. Bah, de toute façon, j'adore cuisiner. Alors où est le problème? Bah, je crois que c'est que... mes aspirations m'ont déjà emmené beaucoup plus loin que ce petit fast-food. Alors, je crois que mes rêves sont plus grands que d'être chef d'un resto de poulet frit. Ben, si ça peut te consoler, je suis contente que tu sois là. Ça fait beaucoup plus que me consoler. Écoute, je te l'ai jamais dit avant, mais tu... est la seule raison qui m'a fait envisager de rester. C'est amusant parce que quand tu étais en Louisiane, tu es la seule raison qui m'a fait envisager de partir. Intéressant. J'ai eu une paire. Oh, wow, sois pas mauvais perdant, chérie. Ta maman est la plus forte. Tu lui piques son fric. Oui, exactement. Tu piques son fric. Faut y faire, Sonny. Ta maman a du talent. Je crois que t'as triché. J'ai même pas eu besoin de tricher. Moi aussi. Je me suis dit que t'en avais peut-être marre de la bouffe de l'hôpital. Oui, ah, carrément. Ça va te changer de régime. C'est super gentil. T'as même de la purée et de la sauce brûlée. Mon grand, bon, c'est vraiment gentil de ta part. J'étais obligé quand j'ai vu ce que tu bouffais ici. C'est excellent. Sérieux, ça te plairait? Savais que ça te plairait. Tout le monde trouve ça délicieux. Mon même beignet, est-ce que c'est tout bon? Tout le monde adore. Ça te plaît vraiment? J'arrive pas à le croire. J'avais un peu peur que ça te pose un problème, que je modifie un peu la recette de grand-père. Mon Dieu, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Bah tu vois, ce que j'ai fait, c'est que, en fait,
C'est un mélange. J'ai pris différentes herbes et épices et j'ai fait des tests, j'ai joué avec. Et en fin de compte, ce qui cartonnait le plus, c'était l'ail de l'Himalaya. Oh, de l'Himalaya? Ouais, de l'Himalaya. Mmh. C'est un chef français qui me l'a fait découvrir. Oh. L'ail de l'Himalaya, c'est le plus fin de tous les types d'ail qui existent. Ouais. Je suis content que ça te plaise. Dutch, t'as vu ça? Sois pas jaloux de ton frère. Mais je suis pas jaloux. Tu devrais être fier de ton frère. Mais non, je suis pas jaloux. Mais j'ai même rien dit. Pourquoi tu viens dire que je suis jaloux? Mais j'ai rien dit. Ouais, je suis pas du tout jaloux. T'inquiète pas pour lui, maman. Je suis content que ça te plaise. Et je sais pas si t'as vu, de l'autre côté, j'ai fait imprimer le logo du restaurant sur les boîtes à emporter. J'ai vu, merci. Tu peux rouvrir la boîte. Tu l'as mis dans la boîte à emporter pour l'emporter ici. C'était une bonne idée. Il a eu raison, c'était une bonne idée de sa part. Une excellente idée. Faut qu'on cause. Avec moi? Oui, qui d'autre? Maman, non, je reviens tout de suite. D'accord, mon chéri. Je m'en fous partout, qu'est-ce j'ai que pas t'as encore serviette. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi un truc, pourquoi on me félicite pas quand je réussis des choses? Tu veux te féliciter pourquoi? De quoi tu parles? L'ail de l'Himalaya, sérieux, pitié, sans déconner. C'est pas bien l'ail de l'Himalaya? T'aimes pas l'ail de l'Himalaya? Le truc, c'est qu'il y a une herbe en plus dans ta recette. Qu'est-ce que tu... Quoi? Défonce des... Ma weed! Ta weed? C'est ma weed. Dans l'huile qu'on utilise pour frire les ailes. Ouais, parce qu'elle m'est tombée des mains un jour comme ça, par accident, et... Poulet à la bœuf. Les clients kiffent leur ass. Food mag. Non, je te jure, ils adorent ça, ils en veulent encore. Tu déconnes. Je sais que tu mens, là. Non, vraiment, c'est... Non. Franchement, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. T'es sérieux? Ouais. Putain, il te manque une case ou quoi? Tu te rends compte à quel point c'est illégal? Oh, merde. Tu mets en danger ma réputation, celle de toute notre famille, sans parler du restaurant, putain. Sacha est flic en plus. Des enfants viennent manger ce poulet. Oui, je sais, mais les enfants fument la salade du diable aussi, de toute façon. Ils la trouveront forcément quelque part. Ils font ce qu'ils veulent. T'es tellement con que c'est du génie. Dans toute la ville, tout le monde achète sa dose. Il y en a plein les rues, je te jure. Un mec est venu lundi, il a pris une boîte de 24, t'imagines? Putain. Et il est revenu mardi. Honnêtement, je sais pas ce que t'as... derrière les yeux, là, qui te servent de cerveau. Mais je veux pas y avoir affaire. C'est clair? T'arrêtes tes conneries maintenant. T'arrêtes maintenant. C'est l'idée la plus conne que t'aies jamais eue. Non, j'ai eu des tonnes d'idées très connes, moi, monsieur, hein? Va te faire foutre. Fais-me le faire. Hé, hey, lâche-moi. Rien du tout. Il m'a sauté dessus. Appelez la sécurité. Je vous connais que depuis quelques jours et j'en ai déjà marre de vous deux. Alors je vais vous dire une bonne chose. Ouvrez bien vos oreilles. Parce que je vais pas vous le dire deux fois. Si vous vous ressaisissez pas très vite, je vous botte le cul tellement fort que vous atterrirez sur Mars. Ouais, désolé, c'est lui qui... Non. Voyez? Dès que j'enlève ce foutu badge, je bosse plus ici, j'en ai plus rien à foutre. Vous êtes des gamins, il est temps de devenir des hommes, alors que chacun se trouve une paire. Et faites la paix, parce que j'ai du lourd à vous dire. On est désolé. Vous faites bien d'être désolé. Votre mère a besoin de vous. En fait, son état n'est pas aussi bon qu'on le pensait. Je suis désolée. Comment ça? Merde. Si on ne l'opère pas très vite, dans le meilleur des cas, il lui reste 2 mois à vivre. 2 mois? Oh, putain. Merde, y a rien à discuter. Il faut qu'elle se fasse opérer. Allez-y. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. L'intervention va coûter 100 000 dollars. On peut trouver le blé. 100 000 boules, on va... Maman a une assurance. Elle est couverte de la tête aux pieds. Non, la police d'assurance de votre mère n'est pas assez grande pour couvrir la totalité des frais. Si on veut sauver la vie de notre mère, il faut qu'on ait les moyens de se le permettre. L'assurance, ça sert à quoi, alors? Les assurances peuvent vous la mettre profond, parfois, même souvent. C'est du délire. Putain de merde, vous dites que si on n'a pas les moyens de la sauver... On n'est pas assez riche. Maman va mourir. C'est ce qu'elle vient de dire, ouais. J'en ai bien peur, oui. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Sans déconner? Vraiment. Il est où le docteur en chef? On peut pas parler à quelqu'un d'autre à part vous? C'est pas moi qui décide, c'est l'assurance. Non! C'est de la folie! Vous devriez utiliser vos forces pour ça au lieu de vous battre entre vous. Arrêtez de vous comporter comme une poule qui a trouvé un couteau et... Pouf! Serrez-vous les coudes, alliez-vous et arrêtez de vous taper dessus. Agissez comme des frères. Soyez forts ensemble.
Soyez de grands noirs fiers. Je sais que vous allez y arriver. Vous, je le vois dans vos yeux. Et vous? Je le vois pas dans ses yeux, mais je vous le dis. Vous bossez ensemble, vous allez y arriver. Vous pouvez me croire, ça me dégoûte autant que vous. Mais allez-y, continuez à bosser ensemble. Et je vous l'ai déjà dit, si besoin, je suis toujours là pour vous. Ouais. Si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler. Je vais la prendre, il a déjà eu la dernière fois. Il en a déjà une. Appelez-moi si besoin. Merci. C'est pas dur, tu sais, on a la solution. Non, non, je sais que dalle. Ce que je sais, en revanche, c'est que je veux pas me retrouver impliqué avec ton poulet délinquant aux herbes folles. Putain, on vaut mieux que ça. Non, pas moi. On est déjà en train de le faire. On baigne déjà dans le bain d'huile. On y va à fond, ok? Pour avoir l'argent pour l'opération de maman. J'arrive pas à croire que je l'envisage sérieusement. Moi, je l'envisage. C'est déjà tout envisagé pour moi. Attends, écoute, écoute, écoute. Quoi? Écoute. Quoi? Si jamais on le fait, si on décide de le faire, on le fait pour maman. On le fait pour maman, pour son opération, et dès qu'on a l'argent, on arrête tout. Fini. Et je veux qu'on change le nom du poulet, pour que les enfants puissent pas en prendre. D'accord. Si les enfants en bouffent plus, moi ça me va. Mais dire qu'on arrête après, moi je vais aller jusqu'au sommet. Tu vas surtout aller au trou. On ne peut jamais discuter avec toi. J'ai pas fini. Attends, tu vas où là? T'es vraiment un gros poulet d'avoir fait ça, je te déteste. Elle a jamais aussi bien dormi. Tu l'as vu, elle plane. Elle plane à 15 000. C'est comme ça que tu veux voir ta mère? C'est le but de la manœuvre. Ça me fait mal au cul de l'admettre, mais Dutch avait raison. On allait avoir assez pour l'opération de maman. Et ça faisait du bien d'avoir à nouveau la cote. Tout le monde venait bouffer chez nous. Tout le monde. J'adore mon boulot. Je croyais que c'était garagiste. Bien à côté. Faut s'adapter à l'environnement. Je gagne l'équivalent d'un mois de salaire en une semaine. Tout le monde sauf toi se fait un max de pognon. Si, je gagne ton pognon parce que t'es une quiche au dé. Allez, Dan. Non. Tu es à la bonne température? Oui, chef. Ok. Charlotte, ça va. Il y a trop de haricots verts là-dedans. Faut en mettre moins. C'est ce que je te dis. C'est la folie au resto. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe du business. J'ai des vieux mecs blancs en costume au bout du fil. J'ai pas le temps pour toi. Pourquoi tout ce fric est sorti? Il a rien à faire dans les cuisines, dans la caisse ou dans le coffre, ok? C'est bon, oui, il va le manger. Scarface ou quoi? Mets-le dans le coffre. Comme tu veux, mets-le dans le truc. Comme je vous disais, notre entreprise est en à fond. Je suis un chef d'entreprise prospère. Dutch! Hey, oh Dutch! Oh, et ça roule, mon pote? Tu fais un carton avec tes ailes de poulet, tout le monde en demande. Bah ouais, mais wow. Tu sais, c'est normal, on a un secret. Viens avec moi, je te raconte. On était un resto miteux avant, mais on est monté en grade, un truc de malade. C'est plus de la dope, non? Cette fois, on fait du poulet de compète. C'est tellement bon que tu bandes. Encore plus délicieux que ce que je pensais. À ton avis, on pourrait faire ça pour le reste de notre vie ou pas? Si t'as de la chance. Quoique je préférais ne pas faire ça dans ta chambre d'ado. Quoi, t'aimes pas mes lits jumeaux rapprochés? Non. T'as faim? Quoi? Tu vas cuisiner pour moi? Je devrais pouvoir te concocter un petit quelque chose. D'accord. Après tout ce que tu viens de me faire... La ferme. Je vais essayer de te convaincre de recommencer. C'est ça. Voilà pour toi, ma belle. Tiens. Bon appétit. Ça a l'air excellent. Qu'avons-nous là? Alors, verdict? Je vais avoir un autre orgasme. Je okay. Plaisante pas. T'as mis quoi là-dedans? Rien qu'un peu d'amour et d'attention. C'est bon, l'amour et l'attention. J'ai mis un peu d'assaisonnement et quelques truffes. T'as balancé la sauce en plus. Tu trouves que je parle trop fort? Je suis à peine réveillé, tu gueules déjà. Tu t'es jamais réveillé, tu dors debout. Salut, frangin. Salut.
Désolé de te déranger, on va vous laisser tranquille tous les deux. Non, non, vous pouvez rester, on a à manger pour tout le monde. Oh, sûr ? Oui, bien sûr. Arrête de faire chier, pose tes fesses tu sur la chaise. Tu vas même pas me présenter la chaise, Roméo ? Un plaisir de putain, vous voir. Putain, je t'ai dit que j'étais une dame, ok ? La dame alors de tu vas me traiter couilles, comme ouais. Telle, du con. Pose ton et cul. Et tu me présentes ma chaise, d'accord ? T'as vu ce que je suis. C'est pas trop tôt. Oh. C'est pas si compliqué d'apprendre les bonnes manières, putain. Je te connais d'où ? Je suis allée au Blazing Jays une ou deux fois pour mettre un terme à quelques bagarres. Mm-hmm. Ouais, je me souviens. Ouais, c'est toi la fliquette. Celle qui a arrêté ma copine par chat l'autre jour. Je l'aime pas. Oh non, non, commence pas avec ça. Elle faisait son taf. Commence pas. Commence pas. Ouais. Waouh. Tu sors avec Sony, je vois. Mm-hmm. Vous êtes mignons tous les deux. C'est du délire. Pourquoi ? Pourquoi c'est du délire ? Oui, pourquoi ? Laissez, faut pas faire attention à elle, elle est... Elle est... Ça lui arrive des fois de péter un plomb sans raison. C'est sa couleur, hein. Ça déteint sur le cerveau, c'est joli, mais à force, ça atteint les neurones. Faut vraiment que t'apprennes à fermer ton clapet. Eh, hey, tu te calmes et tu non, me parles toi, autrement, calmes, ok ? Je mérite le respect, même si je suis pas une dame. Ouais. Après tout... C'est pas mes oignons, mais c'est intéressant. C'est un dealer de drogue. Hé hey. Toi, t'arrêtes les dealers de drogue. Elle dit n'importe quoi. Non, sérieusement, ça le fait grave. Tu c'est comme bien. Dans les films, tu vois. Ils ont une histoire genre Roméo et Juliette, une connerie comme casque. Ça. Sérieux, je trouve ça top. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Y a pas de honte à avoir. Je te comprends, ouais. Y a rien de tel qu'un dealer de drogue, meuf. Ils prennent soin de toi avec les bijoux, les attentions, les soins. C'est bon, arrête. Attends, elle est sérieuse. Arrêter. Quoi? Tu vois bien qu'elle est foncedée. Elle plane à fond. Dis la vérité. Non, j'ai rien pris arrête, de pire, toi. Arrête. Sérieux, arrête de parler. Je dis ce que je veux encore. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu c'est racontes bon, des trucs c'est... comme je ça me casse. Sans attends. Je suis désolée, je vais pas rester. Non, mais pars pas. Attends. Le sais, crétin. Putain, mais quelle pétasse, celle-là. Pétasse. Je suis vraiment désolée. Vous méritez l'un l'autre. Toi, tu devrais fermer ton claque-merde aussi. Des fois, tu me fais trop peur. Sérieux, mais sérieux. Avec ta grande gueule et tes cheveux rouges chants. Ça te plaît pas, mes miches et mes cheveux rouges, hein? Non, tu te peignais tu me pas fais peur. Que je sache. Quand je alors t'ai rencontré, t'étais là. Un mannequin. Et aujourd'hui, t'es un monstre. Ah ouais, tu te casses. Tu me casses. Tu te casses. Tu te casses. Tu te casses. Écoute. Ok, mais c'est pas du tout ce que tu crois. J'avais pas le choix. Non, non. Écoute, c'était le seul moyen de payer l'opération de ma mère à temps. Elle serait morte sinon. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Nom de Dieu, Sony. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis flic, je te rappelle. Je sais, et j'ai jamais voulu te mettre dans une situation inconfortable. On a presque assez. Dès qu'on a l'argent, on arrête, je te jure. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'inquiète pas, je vais pas te dénoncer, Sony. Mais je peux plus être avec toi. Sacha, attends, écoute. Au revoir, Sony. Désolée. Non, t'en vas pas. Sacha ! Bonjour, je voudrais tester le menu Félix. 10 à elle, ça marche. 10 seulement ? C'est quoi, un menu pour bébé ? Tu vas m'en donner 15 minimum et elles ont intérêt à être XL. Je vais prendre 3 menus rien que pour moi. Bam ! Je bouffe du poulet, matin, midi et soir. J'adore! Voilà pour vous! C'est pas fini. Et voilà. Et votre cola light. Merci, revenez nous voir. C'est de tante Carla. Qu'est-ce qu'elle dit ? T'as pas intérêt à crever. Tu me dois encore 250 $. Elle lui doit rien du tout. C'est ce qu'elle a écrit. On lui a donné tellement de poulet, c'est elle qui nous doit de l'argent. Je veux 21 ailes, 21 nuggets, 21 beignets, 21 et 21 pieds glacés. Ouais, 21. Merci. Histoire d'empirer les choses, j'ai reçu un appel de mon patron dans la journée.
qui disait qu'il avait besoin de moi à LA et qu'il pouvait plus attendre. Alors j'ai dû prendre une décision. De pois chiches en conserve. Hey, hey, hey! S'il n'y avait pas eu ta copine, je serais en train de faire autre chose, là. Bonsoir, messieurs. Hey. Vous buvez quoi ce soir? Oh, on va prendre de rosé avec deux pailles. Hmm? Si tu veux bien. Il n'y a pas moyen. Quoi? Je vais pas boire du rosé à la paille avec ce trou duc, là. C'est hors de question. J'ai dit non. Oh, non. T'es trop coincé, sérieux. On est frangeurs, on a fait pire que ça, arrête. Ah, non, merci. Vous voulez à manger? Une planche à partager, vous avez non, ça? Non merci, on va rien prendre à manger. Pourquoi tu l'as fait marcher? Je voulais une planche. J'aime les planches. Je sais pas comment t'as fait pour me traîner ici un lundi soir alors que j'ai plein tu de trucs quoi, à Sony, faire. Tu sais quoi, Sony? Tu commences sérieusement à me foutre la trouille là maintenant. Moi, je te fous la trouille. Ouais, j'ai la trouille quand je te vois comme ça. C'est ça qui te fout la trouille? On s'en sort bien, on a de la thune dans les caisses, maman va s'en tirer, tout va bien, détends-toi. Profite de la vie, relax. N'importe quel mec aurait la banane à ta place. Ici, avec toutes ces femmes canons qui dansent. Eh oh, salut les débiles, comment ça va? Profite pas pour me tripoter, tu rendras plus tard. Quoi de neuf? Je t'ai manqué, j'espère. Ça fait trop salut longtemps. Moi. Aïe, 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 aïe. Vous vous connaissiez déjà d'avant? On était colocs. On était dans la même cellule quand j'étais au trou. Ça y allait, non? Vous vous êtes tapé du minou tout le temps, pas vrai? Est-ce que c'est con, j'y crois pas. Quoi? C'est ça que les filles font quand elles sont en taule? J'en doute pas. Et t'as rien à dire avec ta chemise fermée jusqu'au col, t'y connais rien. Ok. Défie-moi le bouton du haut et on en reparle. Ok, ça va, on... Et puis merde, qu'est-ce que tu fous avec ce tueur d'ambiance? On va prendre une banquette et tu vas avoir droit à un lap dance, ok? Je t'ai même préparé les billets à glisser dans le string. C'est pas une preuve d'amour, ça? Faut pas me le dire deux fois, poupée. Je suis un vétéran ici, un habitué. Un VIP du striptease. Avant, il n'y avait rien et comme par magie, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y, mon frère, on va à l'arrière. J'irai nulle part avec vous. Vous vous méritez l'un l'autre. Miss Johnson? T'as pas la moule en feu à force de te frotter? Ramène-moi une autre bouteille, ou même deux, tiens, de rosé. T'en es sûr? Ouais. Je te ramènerai un sans être sûr que t'as de quoi l'acheter. De quoi l'acheter, putain? Mais t'as pas vu mon restaurant, toi? Tu manges pas de poulet parce que t'es métis, c'est ça? Parce que t'es chinois? J'ai de nouvelles ailes! Viens goûter mes nouvelles ailes de poulet avec la whip dedans! Ouais? C'est mon poulet, tu vas triper, je te le garantis! C'est compris dans le prix! Une fois que tu as goûté, tu vas forcément en demander! En vrai, c'est moi le nouveau café! Ouais, je suis le nouveau café! Je suis le nouveau café! C'est quoi ça? Oh! Ce cul est plus gros qu'un télé cathodique de mon grand-père! Je pourrais presque larguer ton petit cul pour celui-là! Tu fermes là, c'est pour dire ça! Oh! Oh! J'ai senti un courant d'air, ça venait de quel trou? Ça sent la bise d'Omar là tout d'un coup. Café! Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça roule mon pote? Je voulais vous dire, ça va être notre dernière commande. Après c'est fini. C'est la dernière, après ce soir on arrête. Une seconde, attends. T'avais dit que c'était moi qui devais le dire. Oh mince, c'est vrai que j'avais dit ça. Bah vas-y maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Moi j'ai fini de parler.
T'es venu pour tout faire foirer. Non. C'est ce que tu fais toujours. T'es venu pour tout faire foirer. Non. C'est toujours pareil avec toi. Toujours tout. À chaque fois, t'as de la chance que je sois là pour t'aider. Y a pas de quoi. Tu vois, tu recommences. Je suis le héros, je vais te sauver. Je suis pas un héros. Laisse-moi faire. Je suis dans le business depuis. Excusez-moi, excusez-moi. La ferme, la ferme. La merde, t'es là. Oh, tu connais rien. Vous plaît là. Vous permettez? Bon, écoutez, je sais pour l'ingrédient secret. De quoi est-ce que tu parles? Y a rien du tout, non. Capé, y a rien de secret. Y a pas de secret entre nous. Ne me prenez pas pour un abruti. Ingrédient de quoi? Ça me prenez pas pour un abruti. Aucune idée. J'avoue, j'ai peut-être pas inventé l'eau chaude, mais je suis prêt à mettre ma main à couper que l'ingrédient secret est la raison de votre succès commercial. Faut pas vous couper la main. Attends, c'est dangereux, j'y comprends de faire rien. Ça. Tu veux me faire croire que quelqu'un aurait mis de l'herbe, c'est ça, c'est l'ail de l'Himalaya. Dans la sauce mayo ou un truc dans ce genre-là? Non, non, c'est sûrement. C'est pas moi. Voilà ce qui va se passer. Vous allez continuer à mettre mon herbe dans le poulet. Et moi, je vais développer Blazing Jays pour faire passer mon argent à travers des franchises. Je trouve que c'est une excellente idée. Non, non, au contraire. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est fini, on arrête. Ma mère, mais... Vous arrêtez? Vous aimez votre mère? Bah bien sûr, pourquoi vous nous parlez de notre mère? D'où ça sort, ça? J'espère qu'elle aime les fleurs. Quelles fleurs? Capé! Vous allez faire ce que je vous dis de faire, d'accord? Il a fait des trucs à maman! Tiens, on y va! Maman! Monsieur? Monsieur! Maman! 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 Hé! Hey, maman, maman! Maman! Quoi? Réveille-toi! Tu vas bien? Je me porte à merveille! Quoi? Quelqu'un est passé de voir? Un mec m'a apporté des fleurs, c'est tout! Ok, écoute. Putain, c'est capé. Oh, il était canon. Canon. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, maman. Repose-toi. C'est pour ça que vous m'avez réveillé. J'étais en plein rêve érotique. Trop d'informations. Dutch, dans quel merdier tu nous as foutu? Quoi, moi? Je t'avais dit de pas lui parler de cette façon. C'est ta faute si on en est là. Réfléchis un peu, ça aurait rien changé que je lui parle autrement. Tu nous as embarqués avec ce maniaque et il peut faire tuer maman. Ouais, t'as pas tout à fait tort, mais écoute, peut-être que je nous ai embarqués, mais je peux nous faire débarquer. Je peux régler tous nos problèmes. Tu connais le chemin qu'à sens unique, seulement pour nous créer des problèmes. Maman a été menacée. Laisse-moi une opportunité, s'il te plaît. Je peux nous sortir de là. Je vais te laisser une chance, parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais je crois pas une seule seconde que tu vas nous sortir de ce merdier. Pourquoi je suis pas fils unique? C'est un chat? Mama Jay! Oh! Comment allez-vous? Oh, Sacha, je t'ai pas vue depuis une éternité. Oui, je sais, ça fait un bail. Tenez, je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, je vous ai pris une carte aussi. C'est très joli, tout petit. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'ai de la chance d'avoir autant de visites aujourd'hui. Un beau gosse est passé et m'a offert ce magnifique bouquet de fleurs. Et maintenant, toi en plus. Waouh, elles sont vraiment superbes, ces roses. Oui, oui, c'est vrai. Je viens de voir Sonia et Dutch dans le couloir. Tout va bien pour eux? Oh, avec ces deux-là, on peut jamais savoir qu'ils sont toujours en train de se battre, de se chamailler et de s'amuser. Alors? Oui, ils ont toujours été comme ça, alors. Ah, tu serais pas en train d'espionner mes garçons par hasard? Mama Jay, allons. Bien sûr que non. Vous me connaissez depuis combien de temps? Vous savez que Sonny compte beaucoup pour moi. Oh, c'est vrai, ça? Oui. Ok. Ok, on va répéter le plan encore une fois. Tout ce qu'il faut, c'est un truc pour le faire chanter et qu'il foute la paix. Moi, j'ai un portable, mais je veux pas être celui qui enregistre. Je sais pas faire ça. Tu vas faire, mais tu vas poser tes fesses dans le placard derrière la caisse. Tu te fous de moi? C'est un placard de Lilliputien. Et pourquoi pas Daryl? Il a moins de fesses que moi. Parce que moi, j'ai amené mon gros can. Non, 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 je vais craquer. Arrête de chialer, crétin. Je vais te donner une vraie raison de chialer, sinon. Tiens. Merci beaucoup. Allez lui dire de pas amener le flingue. Ça va bien se passer, je vous le promets. Pourquoi je l'ai acheté si tu peux pas jouer avec? Ma vie. Va te planquer, attends.
je lui colle une prune et boum, terminé. Capé, caput. Ah, ça y est, regarde, ils arrivent, regarde. Hé, hey, rentre dans ce placard en vitesse, mourir. Tu vas faire foirer si tout je le plan. Je te tue. Je veux plus te voir. Bon, Dutch, tu connais le plan. Tu vas me laisser parler. Je vais pas entrer tout de suite dans le dur. Je vais y aller en douceur, tout en finesse, que ça soit pas trop évident. Et toi, tout ce que t'as à faire, c'est surtout ne pas m'aider. Tu peux dire une phrase ou deux, par-ci, par-là, pour faire la conversation. Mais je gère tout le reste. Je sais comment avoir l'air professionnel. T'as pas besoin de le dire. Je veux que t'aies l'air naturel. Je sais comment avoir l'air naturel. Et l'air naturel. Okay. Bonjour, messieurs, comment Bonjour. Ça va? Bienvenue dans notre restaurant. Comment allez-vous, monsieur? Ravi que vous ayez pu venir nous voir Bonjour. En cette magnifique journée. Vous allez bien, messieurs? Buenos dias. Wow. On est au-dessus des températures saisonnières, hein? Je veux dire, des faibles précipitations. Précipitations avec des ondées éparses venues du sud-est, un anticyclone approche. Mais avez-vous vu la dernière de Donald Trump sur CNN? Ok, ça va aller. Il a pété un câble? Non, rien, c'est rien, rien du tout. Vous connaissez Dutch, il va bien, très bien. Dutch est cool. Il a un peu trop abusé du poulet, c'est tout. À propos, si t'allais nous en préparer une fournée pour nous inviter. Mais j'essayais d'être professionnel. Va faire ça professionnel, dans la cuisine, c'est clair? Et que ça saute tous, je peux parler de tout ce que je veux. Pas si vite. Avant d'y aller, vos portables, je vous prie. Ah, bon sang. Mais. Voilà. J'essaie d'être professionnel. Mais arrête de parler et va nous offrir des ailes. Allez faire un tour, vérifier qu'il n'y a pas d'embrouille. Dutch! Il faut que je vous présente des excuses pour le comportement de mon frère. Il a confondu la farine avec autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, sous son attitude. Ouais, c'est pour ça. Fais un grand sourire, petit fils de... Belle journée pour faire affaire. Vous avez dit que vous vouliez parler affaire, on y est. Asseyez-vous qu'on s'y mette. On va par... Vous allez où? On va parler affaire. Mais je crois que vous avez oublié un élément fondamental de notre relation. C'est moi qui dirige la rencontre. Asseyez-vous. Ok, ouais. Dommage, j'aimais bien la banquette, mais pas de problème. Comme vous voulez. Mais c'est vrai que vous aviez déjà des liens bien établis, bien clairs, quand vous parliez avec Dutch, hein? Pas avec moi. Maintenant que je suis là, il est temps qu'on apprenne à se connaître, faut qu'on fasse connaissance. Hein? Je suis d'accord. Voilà, du coup, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est me dire comment ça marche. Vous savez, pour savoir d'où vient l'herbe qu'on met dans le poulet, de quelle sorte il s'agit, quelle est sa provenance, combien coûte l'herbe qu'on met dans notre poulet, où elle est cultivée, vous voyez? Qui fait pousser l'herbe qu'on met dans le poulet? Quel est le processus de distribution? Comment vous la faites venir jusqu'ici? C'est ça que je voudrais savoir. Je veux savoir ce que vous savez. Comme ça, quand vous êtes pas là, je peux faire les choses à votre manière. Vous voyez ce que je veux dire? On va reprendre depuis le début. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, je suis d'accord. C'est gentil, mais il y a un hic. Quoi? Jamais j'irai dire à un chef quelle herbe utiliser ou ne pas utiliser non plus. C'est pas mon boulot, c'est... Je m'occupe pas de ce genre de choses. Faudrait vous en occuper pourtant, c'est essentiel. Le succès de notre relation en dépend, je crois. J'y connais rien en cuisine, moi. Je préfère rester dans mon champ d'expertise. File-moi une. Je paie les factures. Vas-y, file-moi une. Oui, mais... Ouais. Vas-y, je me pose aussi la question, parce que le poulet a bien soulagé la douleur de ma mère. Et je me demandais d'où venait une herbe aussi puissante que celle-là, qui ne donne pas la migraine. Ok, si ça aide votre mère, je vais vous dire. D'accord. Pour ah avoir... Et voilà une fournée bien fraîche de poulet pour toi, patron. Génial. Merci infiniment. Sans problème, maintenant qu'on est partenaire. Ok? Faut qu'on discute de quelques détails. Et on en parlait, justement. Écoutez, ouais. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vais faire de vous deux des hommes très riches. D'accord? Avec mon herbe, votre poulet et une flopée de franchises, on va se faire des millions de dollars tous les trois. Redites-moi ça, j'arrive pas à le croire. Redites-moi ça. C'était quoi, ça? Quoi? Ce que c'était quoi? J'ai rien entendu. Sûrement les cuisines. Vous allez? Ah non, commence Qu'est-ce pas, Qu'est-ce que vous faites? Ça doit être des tuyaux de gaz, c'est tout. Va voir ce qui se cache par là. Non, y'a personne voir, de caché par là. Ah, bah ça alors. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? On l'est foutu. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Facebook Live. Je pense que je vais mourir. Je suis planqué dans les chiottes du resto. Ils ont déjà trouvé goût. Maman,
Je t'aime. Refile mes affaires à personne d'autre. Laisse mes côtelettes où je les ai laissées. Même si le pape vient les chercher, tu lui donnes que dalle. Elles sont à moi, je les boufferai même si je suis mort. Je crois que j'entends un truc. Je pense que je vais passer au Blazing Jay sans vitesse. Comme tu veux. Je vais rester dans la voiture. Donne-moi ton flingue. Pardon ? Quoi ? Ton flingue, va rejoindre les autres. Cool. Ça va, toi ? Avance. Ok. Oh, hé, attends. Va poser ton cul à côté de ton pote. Oh. Vous pensiez que vous alliez faire quoi avec ça ? Non, vous alliez mais on faire allait... chanter ? C'est pas du tout ce que tu crois. Non ! Ah ouais ? Vous alliez montrer ça à la police ? La police bosse pour moi, du con. Les keufs bossent attends, pour moi. Détends-toi, on va en parler. Mais ouais, du calme. Lui un geste. Oh, oh merde ! Sacha, faut prévenir avant de faire ça. Non, merde. Merci. Merci. Oh non, voilà l'autre. Oh non, putain, ça sort partout. Qui a fermé les portes ? Wars, qu'est-ce que tu fais ? J'ai trop à y perdre pour te laisser tout gâcher. Et je vais tout faire pour t'en empêcher. Putain, dégénère. Ah, ah. Dégage, connard, je vais te buter. Si je m'en sors, je vais vite comme si j'avais gagné au loto. D'abord, je m'achète une caisse, tu mets. Après, je passe le permis. Tu m'as tiré le taf ou tu me le rends? J'ai trouvé un flingue. C'est même pas que je fume. Il se tire encore dessus? Ouais, il se tire encore quoi, dessus. Mais pourquoi? Pour essayer de vivre ensemble, la violence ne résout rien. C'est foutu, David! Sacha! Hé, Sonny! Je suis là! Ça va? On va trouver de l'aide. T'as un chargeur? Avec des balles? Ce flingue a pas de chargeur. C'est un revolver, espèce de comment tu veux que je sache? Moi, putain, j'ai jamais eu flingue. Ils ont plus de munitions, Capé. Ouais. Allez. On y est. C'est la fin. Je t'aime, Dutch, tu sais. Je t'aime aussi, frangin. Je vais lui dire de me tuer avant. Comme ça, je te verrai pas crever. T'es qu'un putain d'égoïste. C'est pas mignon, ça? Une dernière réunion de famille pour les frères Jones. Si seulement ma Madjé était là aussi. Pourquoi? Laisse ma mère de quoi tu parles? À propos, qu'est-ce qui la fera souffrir le plus? Que vous soyez mort en même temps? Ou que vous ayez été abattu par un brave officier qui vengeait la mort de sa partenaire? Non, fais pas ça. C'est sale de finir. On va négocier. Ça. Non, non. Ah ah, putain de merde. Dis donc, j'en avais trop ras le cul de l'entendre parler, là. Tant pis, c'est pas les flics qui manquent, hein. Oh, quel dommage que ces braves policiers vous aient surpris et... que vous y soyez tous passés dans un tir croisé mortel. Quelle tragédie. Non, non. Ils viennent pour toi, cette fois t'es dans la merde. Lâchez votre arme. Et mettez vos mains sur la tête. Plus vite. Trévis, c'est quoi ce bordel? C'est ton bordel. Meuf, c'est un truc de malade mental, tu vas pas me croire, on a mis de la beuh dans le poulet, servi à tous ceux qui venaient bouffer, meuf. Mais le business de mon mec va sûrement partir en vrille, meuf. Meuf, il paraît que ça a tiré dans tous les sens, genre un flic qui a laissé sa peau, tu vois. Et ils ont arrêté le connard qui a fait ça. Bah tant mieux, putain, parce que là c'est pas... Oh, attends. Hé, ramène tes fesses. Hé, du con, tu vas voir, connard. Vite à cette dame de j'arrive pas à croire que tu te sois barré. Que je me sois barré? Sans moi, tu flotterais dans le fleuve avec un boulet au pied. C'est moi qui ai appelé les flics, si tu veux savoir. Je maîtrisais la situation. Tu maîtrisais que dalle, il avait ton flingue. Dis, Sonny, désolé pour ton restaurant. Ah, oh, c'est rien, ma belle. Des fois, on a bien besoin d'un nouveau départ. Au moins, on est ensemble. Ouais. Dites, quand vous aurez fini avec elle, j'ai un gros bobo à l'entrejambe. Je suis sûr que vous pourrez le guérir avec vos doigts de fée. Faudra venir me voir ce soir. Elle a intérêt à être dentiste parce que je vais t'éclater les dents. On peut savoir ce que tu fous? J'essaie de récupérer les antibiotiques que tu m'as demandé la dernière fois. Antibiotiques, mon cul, ouais, c'est la pharmacie. Tu m'as interdit d'y aller parce que je draguais la pharmacienne. Ah, c'est comme ça. Allez, fais pas ça devant ma famille. J'ai encore un peu d'honneur. Tu vas prendre cher. Profitez pendant que ça dure. Le maire est un pote à moi. Je serai sorti dans l'après-midi. Ouais, probablement. On n'a aucune preuve contre lui après tout ça. Je t'ai pas montré la vidéo que j'ai faite tout à l'heure.
Non, attends, ça c'est ma bite. Là c'est bon. C'est que je vais faire de vous deux des hommes. Ouais. D'accord. T'as tout enregistré. Range ça. Mais ça intéresse personne. Ouais, c'est mon portable. Voir l'enregistrement. Vous voulez voir? On dit pas non aux flics, vieux, c'est la base. Avec mon herbe, votre poulet et une flopée de franchise. Ça vous plaît? Excellent cadrage. Ouais, je sais. Des millions de dollars. Vous avez de l'avenir dans le cinéma. Tous les trois. Mmh. Ouais, on enquêtait sur Monsieur Phillips depuis longtemps. Et cette vidéo est exactement ce qu'il nous fallait pour le faire plonger. Merde! Mais il y a quand même un petit souci. Lequel? La vidéo suggère aussi que vous auriez servi tous les deux de la marijuana dans votre poulet. Écoutez, c'est pas après vous que j'en ai. D'accord. Ça passe en boucle aux infos. Il y a la télé. Pas glisser ça sous le tapis. Quelqu'un doit être tenu pour responsable. Tenez-moi pour responsable, ok? Dites au procureur que Sonia avait rien à voir du tout là-dedans. Que c'était mon idée à moi. Vous pigez? Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je vais porter le chapeau cette fois. Une, parce que t'as pas une tête à chapeau, et deux, parce que j'ai tout fait foirer. Tu portes pas le chapeau à ma place en vrai, parce que c'est toi qui... Mais c'est pas grave, je... Non, non. Vous voyez ce non, que je veux dire? Non, tu peux pas faire ça. Ok, d'accord. Vu les circonstances, vous serez forcément condamné, mais... Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Voilà ce que j'aime entendre, merci. Ouais, super. C'est cool, ça. Si t'étais pas blanc... Il était temps que je débarque ici. S'il te plaît, je veux que tu prennes soin de ma bagnole, par pitié. Mais personne n'en veut, personne va y toucher, c'est une épave. Et laisse personne voler mes CD. T'es à la ramasse, on n'écoute plus de CD aujourd'hui, c'est terminé. Un dernier joint. Et si jamais il m'arrive quelque chose ici, dis à ma poupée que je l'aime. Tiens. T'as pris 3 mois de cure de désintox. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ici? Je sais pas. Mais je trouve que t'es pas très reconnaissant. Je vais en tirer une, mais c'est bien parce que c'est toi. Tu me donnes des envies sauvages! C'est génial que tu sois venu ici. Merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime aussi. Merci à toi. Ça, c'est en ton honneur. T'en as bien besoin. Je vais sortir fort comme un bœuf. Va te refaire une santé. Je vais avoir des tablettes d'enfer! Ouais! Ça va aller! On se voit dans 89 jours! Ok! Je t'aime! Au bout du compte, tout a fini par s'arranger. Maman a pu se faire opérer et j'ai quand même ouvert un restaurant à LA. Bon, peut-être qu'il n'est pas étoilé, mais il est à nous. Et on peut dire que notre recette fait succès ici en Californie. Hey, hey! Yeah! Home sweet home, mon zizi. Ouais, super, comment tu te sens? Ouais, c'est trop cool. Oui. C'est comme avant. Notre fils préféré. Oh, je suis si content, Moi aussi, je suis content. Bébé. Ouais. Les affaires tournent à fond. Ouais, c'est cool. J'adore ce que vous avez fait de ce restaurant. La Californie, c'est le meilleur endroit pour Blazing Jays, mon pote. Et j'ai une surprise pour toi. Oh, tu me connais pas, cœur, c'est dingue. T'as piqué ça dans les cuisines? Attention. Ça pue. C'est à toi, frangin. Elle est magnifique. Elle est toute à toi. C'est à moi, ça? Ouais, monsieur. Wow! C'est ton cadeau de bienvenue en Californie. Incroyable. Oh, regardez qui voilà. Bien joué, Sacha. Comment ça va? Ma flic préférée. Félicitations. Merci, je suis content de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Regarde. C'est presque ça. Presque. Trouve-toi ta flic à toi, tu veux? Elle est venue, on va manger du poulet. Maman doit prendre son médicament. Attends, maman, tu sais comment tu deviens quand tu manges trop de poulet. Sonny, me dis pas ce que je peux faire ou pas. J'ai enlevé ma ceinture, j'ai de la place. Bonjour. Alors, je sais ce que je fais. Allô? Chéri, ma belle, ça casse. T'as dit, ça te dirait de prendre l'avion? Parce que j'ai des billets, j'ai des sièges en première et tu vas kiffer.